nous allons créer un service de transport à la demande. Il existe la Braille sur les villages. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi ce service intramuros dans la ville. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans des écarts sur Saint-Martin, où le trajet n'est pas encore sécurisé totalement pour les jeunes et les personnes âgées, et puis pour tous d'ailleurs, sur le Grésac et sur d'autres lieux un peu extérieurs à la ville. Et on a vraiment besoin d'avoir un service qui puisse être à la disposition de la population, un service qui ne soit pas trop coûteux et disponible en tant que de besoin. Ça va être mis en place dans le prochain mandat.